bien à tout le monde autour de soi. Et c'est le cas parmi les groupements. Il existe un organisme humanitaire appelé le comité. Il vient en aide aux pauvres dans la société. Mais combattre les fléaux sociaux dont je vais citer. Pour l'instant, on veut un peu amuser, on vous inquiète. Amuser, amuser, on vous inquiète. Yeah.
de douleur, forcément va. C'est de ça qu'il s'agit. Sur les honneurs de tout le monde. De l'Afrique, c'est de ça il s'agit. Que tu sois blogueur, ou influenceur, ou tout autre domaine d'activité, c'est ensemble qu'on écrit l'histoire, les États-Unis d'Afrique. Qui aime pas le morceau? Qui aime pas le morceau? Qui aime pas le morceau? Ça c'est le morceau du comité des influenceurs et des blogueurs. Qui n'aime pas le morceau? Hein, maman Coach Bellani même. Non, maman Coach Bellani, regardez, tcha. Maman Coach Bellani, tcha. Vous voulez pas, j'ai tcha. C'est de ça qu'il s'agit. Mes étincelles, partagez ce direct. Partagez et taguez-moi Francine Bas. Parce que Francine Bas, je vais écrire d'abord, parce que là, non, celui qui a touché à mon bébé Eka, tu m'as touché. Et Francine Ba a touché mon enfant. Taguez-moi Francine Ba. J'ai écrit ça rapidement. Hein. À mon enfant Francine Bas, tu connais pas à faire d'enfants sur les réseaux sociaux, tu connais pas à faire de bébé nounou sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas que Eka c'est mon bébé. En tout cas, personne ne peut nous séparer. Oui, monter, descendre, appuyer, frein, allez-y en arrière, décoller, ramener, jamais, jamais. Jean, je vais me séparer de ma fille. Est-ce que maman abandonne son enfant? Jean, je vais me séparer de ma fille. Oui, les racolages. Oui, les scénarios, les spectacles, les tourneurs de film. Oui, ceux qui sont là qui disent que quand on va croyer tête là, sa maman va se retirer. Jean, c'est pas Coach Bellani. Je recule pas. Et Calan, mettez les cœurs, on va avancer. Et taguez-moi Francine Ba. Taguez-moi Francine Ba. Oh, taguez-la moi. Si tu as touché à mon bébé, c'est que tu m'as touché aujourd'hui. Si tu as touché à Eka, c'est que tu as touché à maman Coach Bellani. C'est de ça qu'il s'agit. Tu m'as touché. Tu m'as cherché. Est-ce que vous, Jean-Luc Guillaume, merci, il dit j'aime ton look. Est-ce que vous, quand on touche à votre enfant, votre cœur ne vous fait pas mal? Quand on touche à un degré de votre enfant, votre cœur ne vous fait pas mal? Moi, mon bébé Nounou, mon joli bébé, ma princesse à moi, ma fille aînée, l'unique à son genre, beauté naturelle, beauté Yana, la femme même que tout le monde rêve d'avoir. C'est elle là. Je m'assois là. Je vois sur quoi. Qui l'a provoqué? Qui l'a piqué? Francine Bas. Appelez-moi Francine Bas. Taguez-moi Francine Bas. Est-ce qu'on peut provoquer enfant de quelqu'un? Puis moi, mon cœur va rester tranquille. Est-ce qu'on peut parler de mon enfant? Et puis mon cœur va rester tranquille. Wow, elle m'a tué cette femme aujourd'hui. Elle m'a tué.
Aujourd'hui, je vais mettre Eka au dos. Aujourd'hui, je vais mettre Eka au dos et je vais donner conseil à Francine Ba. Hein? Elle a tapé trop fort. Je vais mettre Eka au dos pour pas parler. Parce que l'affaire est grave. Affaire est grave. J'arrive. Je vais chercher Eka, je viens. Je vais mettre Eka au dos. Mettez les cœurs. Moi, ma Eka, mon joli bébé, slim, qui a le moutou comme il faut en place, qui a les seins en place, c'est elle, quelqu'un, une maman comme moi, une maman qui a des mêmes promotions que moi, une maman qui a même âge que moi, va venir parler de mon enfant. Et puis, je vais m'asseoir. Et puis, je vais dire que non, je suis coach. Je ne suis pas blogueuse. Je ne peux pas venir la répondre. Pourquoi? Eka va sur mon dos. Aujourd'hui, je te mets au dos. Je mets Eka au dos aujourd'hui. Voilà. Je mets ma fille au dos. Je mets ma fille au dos. Voilà. Je mets Francine Bar, prends ton tabouret. Prends ton tabouret. Prends ton tabouret. Assez, c'est assez sur la toile. Arrivé un moment, on doit s'asseoir. On doit s'asseoir pour parler entre les grandes personnes. On doit s'asseoir pour parler entre les mamans. On doit laisser nos enfants jouer leur ballon de pipon à côté. Et qu'à faute était aujourd'hui, ça c'est mon palabre. C'est pas ton palabre aujourd'hui. Mettez les cœurs, on va quitter ici. Mettez les cœurs et partagez ce direct jusqu'à Francine Ba. Mettez les cœurs et partagez ce direct jusqu'à Francine Ba. Assez, c'est assez sur la toile. On peut faire ça. Qui a mis tête de moi ici? Attendez, je regarde. Vous, tous les jours, bloquetto. Qui a provoqué mon bébé Nounou? Je vais prendre le message de Francine Ba. Je vais prendre le message de Francine Ba. Et puis nous allons écouter ensemble. Voilà. Mais avant d'écouter là, on va jouer un peu le morceau. Il faut que je mette mon bébé, au deux pour jouer. Je suis la conseillère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, je vais te donner mes conseils. Ça veut dire aujourd'hui, là, je vais te donner mes conseils. C'est pas parce que si je suis coach, on va déranger ma fille. Et puis, je vais m'asseoir pour dire que non, je n'ai pas envie de rentrer. Quand on touche ton cœur, tu vas sortir de ta coquille. Donc, moi, aujourd'hui, je sors de ma coquille. Je sors pour venir répondre à Francine Ba. Je sors pour parler à Francine Ba. Que quand on est une maman, il y a un comportement qu'il faut avoir. Quand on est une maman, quand on est venu sur la toile, on a défendu Eka. Tu as défendu Eka jusqu'à... Sylvia t'a insulté à cause de Eka. Tu as défendu Eka encore dans le même problème de Pita 00. Tu es venu défendre Emmanuel Keita. Tu l'as défendu jusqu'à... Tu as insulté même ton fils Gessi dans ton direct. Francine Ba, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, mon bébé que tu as défendu, je voyais que tu te débattais parce que tu étais une femme. Je t'ai vu une femme capable. Je t'ai vu une femme qui pouvait défendre une femme comme elle, comme ta fille Emmanuel Keita qui t'appelle aussi maman. S'il y a quelque chose qui ne va pas,
y a quelque chose qui ne va pas, étant maman, que tu as envie de dire quelque chose à ta fille, tu connais son inbox, tu peux rentrer dans son inbox pour dire que ma fille, tu as dit quelque chose là, est-ce que réellement c'est vrai? Ou bien ma fille, ce que tu as posté, ma maman, parce que le message qu'on poste n'a pas de voice. Donc, on ne peut pas savoir ce que Francine Ba voulait dire dans cette affaire. Parce que c'est tout juste un message. Quand Eka a fini de faire son live, et puis elle a dit que l'argent part à DJ Arafat, il y a des gens qui ont critiqué. Il y a des gens qui étaient en train de murmurer en bas. Donc, le moment qu'ils étaient en train de murmurer, Francine Ba dit, ma fille, je l'ai défendue. Voilà ce qui est en train de venir. Je vais lire le message. Voilà. Je vais lire le message. On va lire le message. Message qui a envoyé problème aujourd'hui entre une maman et son enfant. On va lire le message. Parce que à preuve du contraire, cette maman-là, elle a défendu Eka jusqu'à... Elle a été insultée copieusement par Aya. Elle a été insultée copieusement par Sylvia. Donc, pourquoi aujourd'hui, Francine Ba peut ressortir et défendre quelqu'un? Défendre Eka jusqu'à la dernière minute là, c'est comme un magui avec un caca noir et il a ajouté un peu de blanc là-dessus. Partagez ce direct. Voilà. Je vais voir le message rapidement. On va aller pas à pas. Voilà. On va aller pas à pas pour comprendre. Sécurisez le direct avec des cœurs. Eka, faut pas pleurer, hein. Faut te taire. Je suis en train de faire palabre. Je suis en train de faire ton palabre ici. Je ne veux pas que tu pleures. Faut te calmer. Calme-toi. Faut te calmer, hein. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Mettez les cœurs pour sécuriser ce direct. Je vais chercher le message. Voilà. Taguez-moi Francine Ba pour qu'elle puisse prendre son tabouret. Taguez-la, n'est qu'à prendre son tabouret, elle va s'asseoir. Maman de Eka va lui donner des conseils aujourd'hui. Maman de Eka va lui parler aujourd'hui. Parce que arrivé un moment, on n'est qu'à se dire la vérité. On n'est qu'à se dire la vérité. Excusez, hein, je cherche le vocal. Attends, je vais prendre celui-là. Rapidement. Mettez des cœurs, partagez ce direct. En plus, elle est sortie aujourd'hui encore. Mais cette femme-là, elle ne comprend pas. Hein? Oh. On poursuit la vie des enfants de quelqu'un comme ça. Attendez. Je cherche sa vidéo. Je n'ai pas envie de jouer. Où est le message même? Le message là, où est ça? Sécurisé, hein? Je cherche le message.
Où est le vocal? Bon, si je ne vois pas le vocal, on va parler. Parce que je ne retrouve plus le vocal. Voilà. Je ne retrouve plus le vocal, mais j'ai retrouvé le vocal où Eka a répondu. Voilà. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Cette partie qui m'intéresse, c'est où elle est venue parler de ma fille pour dire Eka, Eka, elle appelait Eka trois fois. Trois fois. Je cherche la vidéo. Taguez-la moi. Elle a tellement beaucoup de pages que je ne me retrouve même pas. Hein? Comment quelqu'un peut avoir plein de pages comme ça? Plein de pages comme ça. Quoi, alerte, alerte? Alerte à qui? En tout cas, je ne retrouve pas la vidéo. Voilà. Je ne retrouve pas. Mais ce qui a énervé, elle, c'est-à-dire qu'elle envoie sa vidéo pour dire à Eka, il faut faire attention. Voilà ce qui est en train de se dire sur la toile. Mais les gens, comment, de la manière qu'elle a posé, ça n'a pas été pris comme ça. Oh. Ils ont chargé ça. Et ma fille Eka, quand je lui dis que tout ce qui se passe sur la toile, on ne répond pas. Elle ne m'écoute pas. Oh. Quand elle dit tout ce qu'on dit, si quelqu'un t'a défendu aujourd'hui et puis demain il vient, il a dit, Wakabia, il faut laisser tomber. On va avancer. Notre train avance. Toi, tu vas écouter les gens. Notre train avance, Eka. On n'a plus le temps d'écouter ceux qui vont nous piquer. On a le temps d'aller en avant. On a le temps de pousser pour aller. Parce que c'est l'arrivée qui compte. Mais quand j'ai regardé à Francine Bas, elle a posé quelque chose. Tandis qu'elle pouvait rentrer dans le chose. Elle pouvait rentrer dans le message. Elle n'a pas fait. Eka aussi a vu le message. Quelqu'un qui t'a défendu hier, aujourd'hui elle vient, elle pense quelque chose. Si tu n'as pas compris aussi ma fille, tu rentres dans une bosse pour dire que mais maman, pourquoi tu as mis ça? Et puis vous allez vous expliquer. Toi aussi tu as lancé pic. Elle aussi elle a lancé fusil. Mais vraiment, Francine, tu as lancé le fusil trop fort. Trop fort. Je parle de ma fille et puis je claque les ailes. Tu as lancé le fusil trop fort. On ne parle pas comme ça à son enfant. Même si elle quand même avait tué mouton, si elle avait tué ton bœuf, de la manière que tu es sorti sur elle là, ça a été trop fort, ma chérie. Ça a été trop fort. Il faut reconnaître qu'Eka, là, c'est enfant de quelqu'un. Il faut reconnaître que je suis maman coach Bellani. Je suis la mère d'Eka. Tu n'as pas pensé qu'Eka a une maman qui est égale à toi. Tu es venu insulter ma fille. Hé, hey, Francine, bah, on peut faire ça. Ta gueule à moi. On peut faire ça. On peut venir et défendre quelqu'un hier. Yeah. Où tu as été lapidé. Où tu as été insulté, où tu as été vilipendé par toutes ces personnes à cause de l'État que tu as défendu. Tu devais même faire bas la tête pour dire que, ah, si elle a fait ça, je vais laisser. Comme elle, elle a des problèmes actuellement, elle a des difficultés, je vais laisser. Mais tu es passé au-dessus de ça. Parce que l'État aussi, quand je parle à ma fille l'État, tu ne peux pas regarder une maman, même ce qu'elle a dit, tu peux l'appeler bipolaire. On dit quoi? Bipolaire. Tu as appelé ta maman bipolaire. Tandis que ça, là, on pourrait régler ça tranquillement. J'ai dit, Eka, quand je te parle, il faut m'écouter. Quand je te parle, il faut m'écouter. Ce n'est pas tout on répond sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout on répond sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas quand quelqu'un va te dire pic, tu vas sauter pour dire pic, pic. Non! Eka, Eka, je t'ai appelé combien de fois? Je t'ai appelé combien de fois? C'est pas tout le monde en fait parler sur les réseaux sociaux. C'est vrai, cette dame-là t'a défendu hier, mais aujourd'hui, là, elle a chié caca même, elle a mis blanc dessus. Hein? On peut défendre quelqu'un comme ça, et puis aujourd'hui, on peut venir insulter la personne. Non, tu as zaillé même, ma soeur. Tu as zaillé. Là, je te dis que tu as saillé.
Tu as zaillé même. Ce que tu as fait là, on ne fait pas ça, ma chérie. On ne fait pas ça. On n'insulte pas maman, enfant de quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux. Tu regardes ma fille et Emmanuel Keita. Tu la vois bien dans tes yeux. Tu sais comment elle est. Tu connais son modèle. C'est une personne. Une personne, un joli bébé. Joli bébé de Coche Bellani. Toi, tu vas t'asseoir avec ton micro bleu, rouge, noir. Tu vas insulter ma fille. Francine Ba, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi, Francine Ba? Tu comptes sur quoi? On peut zailler comme ça en tant qu'une maman? On peut zailler comme ça en tant qu'une maman? Comment est-ce qu'elle t'appelle? Maman. Une fille qui t'appelle maman, si elle a fait quelque chose qui ne te plaît pas, ou toi t'as proposé un acte qu'elle n'a pas compris, si elle t'a lancé un pic, tu ne peux pas rentrer dans son inbox en tant que maman? Pour lui dire non, mon bébé, je n'avais pas voulu dire comme ça. Et puis t'exprimer, tu vas venir prendre ton micro en main. Un micro, je ne sais pas où tu as enlevé. Un micro artificiel. Un micro caoutchouc. Un micro boribana. Tu vas t'asseoir et puis tu vas insulter moi, mon enfant. Francine Ba, non. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça en tant que maman de Eka. Je ne peux pas accepter ça aujourd'hui. Tu as exagéré. Tu as exagéré. Tu as zaillé même. Tu as zaillé. Francine, tu as zaillé. Là, c'est la honte qui est sur toi. C'est la honte qui est sur toi. On ne peut pas zaillir comme ça en tant qu'une maman. Non, moi je ne comprends pas Facebook. Hein. Tu défends quelqu'un aujourd'hui et puis demain tu l'insultes. Aïe, on peut faire ça. Il faut être condamné une fois à défendre la personne jusqu'au bout. Toi, tu crois qu'il n'y a pas, le sang dans notre ventre et puis on vomit de l'eau? Tu crois qu'il n'y a pas de sang dans notre ventre et puis on vomit de l'eau? Quand on est une maman, on doit avoir le respect en tant qu'une maman. Et on doit respecter aussi nos enfants. Tu as oublié que sur les réseaux, Eka est mon bébé Nounou. Tu as oublié. Tu as oublié qu'elle fait partie de mes enfants. Tu vas t'asseoir là pour insulter Eka, pour dire son vrai nom. Tu as oublié que hier tu l'as défendu à cause de Pita. Tu as pris ton tabouret avec ton micro orange, blanc, vert. Tu l'as défendu jusqu'à te faire palabre avec Jessica. Jusqu'à te clasher Jessica. Aujourd'hui, toi, tu vas t'asseoir. Même si Eka a dit quelque chose, tu es une maman, tu peux rentrer dans son inbox pour dire que, ah, mon bébé, c'est pas ce que je voulais dire. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait, Francine Ba? Est-ce que tu l'as fait? Non, je suis tellement... Eka, faut pas parler, hein. Faut même pas parler, j'ai compris. Faut même pas parler, laisse-moi, j'ai fait ce palabre. Parce que cette femme-là, elle et moi, on a même âge. Oui, quand on a même âge là, c'est les mamans qui font palabre. Est-ce que moi, je peux toucher à ton enfant, Francine Ba? Est-ce que je peux toucher à ton enfant sur les réseaux sociaux? Je peux toucher à ton enfant? Pourquoi tu viens parler de ma fille? Pourquoi? Ma fille, même, elle a trop de problèmes. Actuellement, elle est dans une séparation. Tu l'as défendu. Tu étais là, tu as parlé. Tu lui as donné des conseils. Tu as défendu. Tu as donné ta poitrine. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché étant une maman? Et à la dernière minute, tu sors avec ton micro rouge noir. Un micro qu'on a joué pour t'asseoir. Pour venir encore. Celle que tu as protégée hier. Tu as dit oui. Et quand c'est ma fille, et quand je la protège, et puis tu as donné ton dos, malgré que tu la protégeais, les gens t'ont insulté, les gens t'ont descendu. Tous les Sylvie étaient dans ta chair, ils t'ont descendu. Tous les Aïe étaient dans ta chair, ils t'ont descendu. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir. Tu ne vas même pas récolter ce que tu as mangé. Tu ne vas pas récolter ce que tu as semé. Tu ne vas pas récolter. Tu vas venir t'asseoir et puis insulter Eka. Eka,
par son comportement hein, mais sache que Eka c'est une fille gentille. Sache que c'est une fille qui a la main sur le cœur. Sache que Eka qu'elle a là, c'est parce que tu l'as pas encore peut-être approchée. Mais si tu l'approches, c'est une fille magnifique. C'est une fille magnifique, Eka. C'est mon bébé Nounou là, toi tu vas voir sur les réseaux sociaux. Tandis que ses ennemis sont encore là, ils sont en train de la tirailler, ils sont en train de la flécher, ils sont en train de lui donner des coups de tête, des coups de poing. Et toi, tu vas venir t'asseoir avec ton micro orange, blanc, vert. Pour venir l'insulter. Hein? Tu as zaillé même. Francine Ba, tu as zaillé. Tu as zaillé même. Je n'ai même plus de mots à dire. Tu as zaillé. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. Pause publicitaire. Le 4 décembre 2012, c'est la conférence de mon bébé Nounou. Voilà. Payez vos tickets pour aller soutenir Emmanuel Keïta. Ce n'est pas dans bouche waya waya. Non, 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 non. On n'est qu'à payer nos tickets massivement. Il faut qu'on remplisse cette salle pour prouver à tout le monde qu'on est capable de le faire. Pour ne pas que ça soit seulement dans nos bouches. Pour ne pas que seulement nos ennemis vont prendre pour faire un semblant de faire la pub. On n'a pas besoin d'eux. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, nous devons être liés, nous devons être soudés pour aller soutenir Eka. Et je sais que Eka, telle que je la connais, elle est intelligente. C'est une femme dynamique. C'est une femme fructueuse. Oui, 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 oui. Je le dis. C'est une femme qui est riche. Bondamment, en communication, en intelligence, vous le savez. Donc, cette conférence-là, celui qui reste derrière, qui dit que lui s'appelle Ekaland, qui reste derrière, j'aurai affaire à vous. J'aurai affaire à vous, parce que je connais votre nombre. J'aurai affaire à vous. Donc, préparez-vous, on va aller soutenir pour que cette fête, cette conférence réussisse. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, tout le monde a le regard sur nous. Oui. Tout le monde a le regard sur Eka Land. Et maman même d'Eka, tout le monde nous regarde. Ne soyons pas là pour regarder la diffamation qui se passe sur les réseaux sociaux. Les papatos qui se passent sur les réseaux sociaux. Où chacun vient mettre sa caméra. Quand il a envie de se faire voir, il se fait voir. Mettons-nous ensemble. C'est tous ensemble nous allons réussir cette fête. C'est tous ensemble, cette conférence va réussir. Les trois casquettes, Eka va nous démontrer quelles sont ces trois casquettes. Elle a déjà donné un peu l'introduction. Elle a donné même le sujet par l'introduction. Elle a déjà donné, mais elle n'a pas encore décortiqué. Donc, l'introduction, le développement et la conclusion, ça sera le 4 décembre 2021. Donc, préparez-vous. C'est lui qui me mettait de moi là. Mettez Ekalan, je sais que vous êtes là. Mettez assez de cœur. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Tête de moi aujourd'hui là, nous on fait rien avec toi. Ou bien il y a quelqu'un qui a envoyé encore marabout. Oui, c'est tous les marabouts. Les marabouts, ils sont nombreux. On va faire quoi? Il y a un ici encore, attendez. Et puis, nous, aujourd'hui, là, on essaie de régler le problème. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne insulter quelqu'un. Parce que nous, Eka Land, vous qui respectez maman de Eka, n'insultez pas cette dame. Voilà. On n'est pas venu pour insulter. Laissez-moi, je vais faire ce palabre. On n'est pas venu pour insulter. N'insultez surtout pas. Parce que nous, là, on a grandi. Parce que nous, on a la sagesse. Nous, on a des conseils. On sait parler. Donc, on va parler à cette dame. On va parler à Francine Ba. Pas d'injures. Laissez, on va régler ce problème. Pas d'injures. S'il vous plaît. On ne veut pas d'injures. Parce que vous-même, imaginez que moi, maman Deka, on va me laver sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous serez content? Est-ce que vous serez content? Donc, non, pas d'injures. Vous pouvez donner, vous pouvez parler, mais pas d'injures. OK? On va parler à elle. Elle, quand elle prend son tabouret, elle va s'asseoir, elle va écouter ce qu'on est en train de dire. C'est des conseils qu'on est en train de lui donner. En tant qu'une maman, il faut pouvoir avoir là, le discernement souvent dans tout ce que tu fais.
Donc, franchement, on lui donne des conseils pour ne pas que ça se répète. Parce que cette dame-là, vous-même, vous voyez qu'elle a trop défendu Emmanuel Keïta. Elle a aimé Emmanuel Keïta. Elle a protégé Emmanuel Keïta. Il y a des moments dans la vie, là, il y a des gens qui zaillent et elle a zaillé. Elle connaît qu'elle a zaillé. Oui, si elle ne connaît pas là, cette nulle-là va lui porter conseil, partager ce direct. Elle sait qu'elle a zaillé. Oui, dans l'histoire là, dans ce test, si on a dit quoi que ce soit, elle a zaillé. Étant une maman, Francine Ba, tu as zaillé. Tu as gâté le coin. Oui, on n'est qu'à dire c'est poto-poto dans notre main. Et puis on te regarde. C'est poto-poto. On ne peut pas arranger quelque chose jusqu'à arriver jusqu'au bout et puis on va venir gâter. Non. Quel que soit ce que ta fille même a dit, tu ne peux pas sortir, prendre ton micro, faire un live où tu vas la descendre. Tu as frappé fort. Tu as frappé fort. Francis Ba, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Tu as frappé trop fort. Tu as oublié que Eka est nos bébés chouchous. Tu as oublié que Eka est une femme comme nous, on doit la protéger. Quel que soit ce qu'elle dit. Il faut dire que non, elle traverse un moment difficile à ce moment. Mettons ça sur ce compte de ce qu'elle traverse actuellement. Mais tu n'as pas mis, tu l'as défendu à midi. À 13h, tu viens placer ta caméra et puis tu la descends. Est-ce qu'une maman peut faire ça? Francine Ba, est-ce qu'une maman peut agir comme ça? Est-ce qu'une maman peut détruire comme ça? Est-ce qu'une maman peut zailler comme ça? Aujourd'hui, je viens te parler. Francine Ba, désormais, il faut faire très attention. Voilà. Quand une maman doit parler, elle doit analyser. Oui, ce sont nos enfants. Ce n'est pas parce que nos enfants sont en train de courir qu'on va courir derrière eux. Arrivé un moment, on doit pouvoir s'arrêter pour dire que, mais attends, c'est mon enfant. Je vais aller la répondre, ça va me donner quoi? Tu as compris? Je vais aller la réponse, ça va me donner quoi? Donc, je vais me calmer. C'est comme ça une maman agit. Ce que tu as fait là, tu as frappé trop fort. Tu as gâté tout le bien que tu as fait là. Tu as mis du sable dedans. Tout le bien, toute la lutte de Eka, tu as fait. Tu as défendu Eka depuis quand Kankura jusqu'à aujourd'hui là. Tu es venu mettre du sable dedans quoi? Pocho, pour nous donner. Pourquoi tu peux défendre Eka jusqu'à... Et puis à la dernière minute, tu vas venir verser dans la tchèque, là, tu vas venir mettre plein de sable. On peut faire ça. On peut se comporter comme ça étant une maman. Francine Ba, c'est à ma fille que tu fais ça aujourd'hui. C'est à mon bébé Eka que tu fais ça. Je n'ai pas aimé. Toi-même, tu disais que Eka t'appelait d'après toi-même. Et je t'écoutais te dire, elle t'appelait maman. Mais quelqu'un qui t'appelle maman, si elle déconne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer dans son inbox. Tu es rentré dans son inbox et puis elle t'a pas pris. Tu es rentré dans son inbox. Parce que ton message, là, ça dépend de celui qui analyse. Si moi, je vois le message, j'analyse à ma faveur. Donc, si elle analysait le message à ta faveur, qu'elle est sortie, elle a dit quelque chose, il rentre dans une bosse, attaque une maman, pour dire, ah, ma fille, c'est pas ce que j'avais voulu dire, oh, tu n'as pas bien compris. C'est comme ça une maman agit. Mais toi, tu es sorti sur ma fille, tu as descendu ma fille, tu as descendu ma fille. Tu l'as mis dans poto-poto, c'est-à-dire qu'elle-même là, son palabre même qu'elle faisait là, elle a oublié son palabre. Elle a oublié même son palabre. Elle s'est tournée vers toi. C'est une fille qui est en séparation, Francine Ba. Tu n'avais pas compris ça, ma soeur. Tu n'as pas compris ça. Tu as trop chauffé le coin avec ton micro orange, blanc, vert. Tu as trop chauffé le coin. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi? Je n'ai pas aimé aujourd'hui, je n'ai pas aimé demain, je n'ai pas aimé, je ne vais pas aimer, je ne vais pas aimer. Si c'est ça, la cause de ça, tu vas me clasher là. Je t'attends, il faut me clasher.
Si c'est à cause de un cas, tu vas me clasher là. Je t'attends. Je vais me mouiller. Je vais mouiller maillot à ma fille. On va mouiller maillot ensemble. Oui, on va mouiller maillot ensemble. Je suis fatiguée. Parce qu'on peut pas être dans, on peut pas être sur la vie de quelqu'un comme ça. Tu as zaillé, ma soeur. Tu as trop zaillé. Je ne sais pas quel mot. Mais tu allais trop fort. Tu allais trop fort dans ta réponse. Comment tu peux regarder mon bébé Nounou? Mon Inca. Mon joli bébé. Mon bébé Nounou. Le bébé de Coach Bellani. Et puis tu vas détruire ma fille comme ça. Ma fille. Ma fille que tu as défendue hier. Ma jolie princesse. Quand elle met pas ses cheveux blonds sur la tête, elle est belle. Regarde là, elle et sa maman sont tout blonds aujourd'hui. Tu n'as pas peur. On dirait que tu es jalouse de nous, hein. On dirait que tu es jalouse de nous, hein. Oui. Parce que hey, ma fille et moi, ah non, on a un mot stylé. Hein? Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Francis, bah, nous, on a un mot stylé. Donc, si ça te fait mal, ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. Je te dis, ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. Il faut changer de stratégie. On va partir en wagon. Change de position. Change. Parce qu'une maman doit adorer ses enfants. Une maman doit être une mère poule qui aime tous ses enfants. On a des enfants qui déconnent. Et puis on les lève, on veut donner conseil. Et puis on ralentit un peu parce qu'on se dit que c'est ton enfant. Vas-y, bah. Moi, j'ai été insultée. Comme poto de Bobo Marché. Mais j'ai avalé pour moi. Quand on m'a dit, maman, Coach Bellani, pardon, j'ai avalé. C'est comme ça, une mère. Donc, où est ton côté, maman, là? Tu as mis ça où? Tu as frappé fort, hein? Tu as frappé trop fort. Franchement, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Si c'est pour cela que tu vas, moi aussi, me mouiller maillot, Francine Ba, je suis prête à mouiller maillot. Oui, pour un cas, je vais mouiller maillot. Je vais mouiller maillot. Oui, façon que tu l'as défendu. Tu l'as défendu quand l'histoire de Peter est arrivée avec un cas. Tu as pris côté d'Emmanuel Keïta. Tu dis non, Emmanuel Keïta, je la soutiens et je la défends. Donc ça là, à cause de ça seulement, que tu as dit, je la soutiens, je la défends là. Tu devais t'arrêter là. Tu ne devais pas augmenter. Quel que soit ce que ta fille fait, tu ne devais pas sortir sur elle. Mais tu as frappé à un nouveau. Tu as frappé à un nouveau très fort. Francine, tu as frappé à un nouveau très fort. Très grave. Où tu ne devais pas toucher, tu as touché. Ça n'a pas été bien. Tu as trop zaillé. Tu as trop zaillé. Tu as trop déconné. Tu as trop déconné. On ne fait pas ça. Étant une maman, on ne fait pas ça. Tu vois que nous, souvent, on n'a pas envie de parler. Nous, souvent, on a envie de parler, mais quand on regarde la situation, quand on regarde la position, quand on regarde même quand on regarde même géographiquement, la boussole, même façon, elle est positionnée dans la forêt. Si tu dois aller au pôle nord ou au pôle sud, quand tu regardes là, tu analyses et puis tu te tais, puis tu avales. Oui, oui, oui. Tu crois que nous, on n'a rien à dire? On a beaucoup à dire. Mais quand tu dis tu aimes une personne, il faut l'aimer jusqu'au bout. Quand tu dis que c'est ton enfant, il faut l'aimer jusqu'au bout. Il faut continuer avec elle jusqu'au bout. Si ta fille tombe, tu tombes. Si elle est relevée, tu te relèves. Tu n'as pas compris ça? Mais là, je pense que tu l'as laissé en chemin. Tu l'as laissé en chemin parce que ta vidéo que tu as fait là,
Tu allais trop fort. Tu allais à haut niveau. Haut niveau. Étant une maman, tu allais à haut niveau. Haut gamme, comme on le dit. High level. Tu allais trop loin. Une maman se calme, une maman se patiente et une maman réfléchit avant de poser des actes. Quelqu'un qui t'a défendu hier, aujourd'hui tu t'assois, tu commences à prendre ton micro bleu, bleu, rouge, noir et puis tu commences à la descendre, quel que soit ce qu'elle a dit. Toi, tu es une maman, tu rentres dans une bosse, si elle ne te répond pas, tu laisses vocal. Tu dis, ma fille, je t'appelais combien de fois? Je t'appelais combien de fois? Ce que j'ai écrit là, ce n'était pas un mauvais. C'est parce que tu n'as pas compris. Et puis tu t'exprimes. Malgré ce que ta fille a dit. Tu ne devais pas prendre micro, venir t'asseoir là, là. Et puis la descendre. L'insulter. Aïe. On peut insulter enfant de quelqu'un comme ça. On peut insulter enfant de quelqu'un comme ça. Francine Ba, si c'est pas là de cour commune, je suis prête. Si c'est pas là de cour commune, je suis prête. Je suis prête pour toi. Si c'est pas là pour de cour commune, ah, ma chérie, je t'attends. Je t'attends. Mais si tu ne me réponds pas, c'est que la relation est rentrée. Mais si tu me réponds pour faire pas là de cour commune, je t'attends. Ça ne chauffe pas. On ne peut pas insulter enfant de quelqu'un comme ça. J'ai dit, tu as frappé fort. Est-ce que j'ai peur de dire, tu as frappé fort? Tu as frappé, tu es allé trop fort. Tu es allé sévèrement. On ne fait pas ça. Je n'ai pas aimé. Je ne vais pas aimer aujourd'hui. Je ne vais pas aimer demain. Je ne vais pas aimer après-demain. Francine. Il ne faut plus faire ça à ma fille Eka. S'il y a un problème, rentre dans son inbox. Il faut dormir. Dors, mon bébé. Dors. S'il y a un problème, rentre dans le inbox de Eka et puis parle avec elle. Une fille gentille, simple, adorable. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es allé trop. Tu as dépassé les frontières. Tu as dépassé les frontières. Francine, tu as dépassé les frontières. On peut avoir un micro dans la main et puis insulter l'enfant de quelqu'un. On peut avoir un micro en main et puis parler d'enfant de quelqu'un. Ma chérie, si tu sors sur moi, je viens à mon micro. Tu sors sur moi. C'est toi ta micro. Je ne sais pas si c'est micro caoutchouc. Je ne sais pas si c'est micro ouya. Je ne sais pas si c'est micro djenzeli. Je ne sais pas quel genre de micro. Mais si tu prends un micro, je vais sortir ici avec un micro en or. Oui, oui, oui. Je suis maman d'Eka. Ça ne chauffe pas. Désormais, je ne veux plus que ça se répète. Parce que de façon que tu as frappé fort, il faut doser. Voilà. Il faut doser. Prochainement, il faut doser, ma chérie. Dose. Si tu as envie qu'on ne se prend pas la tête dans la cour commune que nous sommes là, il faut doser. Parce que dans la cour commune, chacun a son enfant. Et tu le sais. Ne dose pas comme ça sur mon enfant. Ne parle pas comme ça de mon enfant. Ne viens plus prendre ton micro pour parler de mon enfant. Faut doser. Faut doser. Francine, je dis, faut doser. Je te parle, faut doser. Et quand c'est mon bébé, faut doser. Voilà, faut doser. Parce que je comprends votre technique de Facebook, technique pour mélanger les gens. Quand aide-moi à détester, quand vous êtes à parler avec quelqu'un, vous allez prendre vocal de quelqu'un pour dire que oui, elle avait dit ça de toi. Elle avait fait. Moi, je ne rentre pas dans ça. Voilà, je ne rentre pas dans ça. C'est ma détermination. Parce que mon enfant là, s'il a fait quelque chose, moi mais mon enfant là, quand souvent là, ça la prend là, elle craque ma porte et puis elle est dehors. Quand elle revient devant la porte, là, c'est mon enfant, je la récupère. Donc c'est autant pour Eka. Eka c'est mon bébé nounou, donc autant. Donc calme-toi. Yes, calme-toi.
On n'a qu'à apprendre à se calmer. Parce que trop, c'est trop. Voilà. Trop, c'est trop. Vous comprenez? Et puis, je sais que cette conférence, ça va réussir. Il n'y a rien à faire. Pause publicitaire. Tous ceux qui ont besoin des perruques coûtent de coach Bellamy, rentrez en contact avec elle. Voilà. J'ai un autre paquet qui vient d'arriver. Donc, rentrez en contact. J'ai le marron, j'ai le noir et j'ai le blond. Rentrez en contact pour pouvoir prendre votre perruque coûte. Elles sont tellement belles. Donc, si c'est pour mon enfant là, je serai dans un marathon avec toi. Oui, je suis prêt à courir 100 mètres plat. Sans chaussures, je suis prête à ça, Francine. Donc, ma chérie, quand on est sur les réseaux sociaux, là, on n'est qu'à apprendre à connaître nos barrières. On a une limite, voilà. Dans la cour commune, là, chacun connaît devant sa porte et puis il balaie devant sa porte. Chacun connaît ses enfants dans la cour commune, même si les enfants sont mélangés. Donc, je ne veux pas que tu doses comme ça sur ma fille prochainement. Je ne veux pas cette dosage sur ma fille. Je t'en prie. Prochainement, il faut calculer. Parce que ce bébé-là t'appelle maman aussi. Voilà. Mon enfant peut être ton enfant. Donc, il faut doser. Parce qu'on ne peut pas arranger quelque chose. On ne peut pas défendre quelqu'un. Soutenir la personne. Fais son palabre partout. Fais son palabre. Apprends sur toi. Tu as pris palabre de Eka. Tu as fait ça sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'étais d'accord. J'ai vu dedans. Tu t'en fichais. Tu dis que s'ils veulent qu'on parle de toi, s'ils veulent qu'on t'insulte, et il y a des gens qui t'ont insulté, tu dis que tu t'en fous, ça m'en fout de ça. Donc, si la même personne a fait quelque chose aujourd'hui, là, toi, tu devais la couvrir. Mais tu es venu doser dans elle. Tu es venu mettre ta bois dans elle. Tu as mis bim bim dans elle. Prochainement, il faut doser. Voilà, il faut doser. Il faut doser. Attends qu'une maman. Voilà, attends qu'une maman. Parce que ça là, tu as parlé trop. Tu as parlé trop fort. Tu as parlé trop sévèrement. Tu as parlé trop dur. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Donc ma chérie, prochainement, dose, voilà, dose. Si ta fille a fait quelque chose, il faut doser, il faut lui parler. Et Eka aussi, toi aussi, il faut faire doucement avec les mamans. Quand les mamans font quelque chose là aussi, là, toi aussi là, il faut rentrer dans une bosse de maman pour parler avec eux aussi. Pour dire, maman Francine, bah, je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Je n'ai pas aimé, hein. Mais là aussi, ma fille, quand on donne conseil dedans, on doit donner conseil dedans. Tu dois dire à maman Francine Ba, je n'ai pas aimé dans son inbox. Grandez maman Francine Ba même dans son inbox et puis tu quittes là-bas. Mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as appelé bipolaire. Adama. On peut faire ça, bébé Eka. On peut appeler maman comme ça, bipolaire. Pour la honnie aussi. Aïe, aïe. Moi, je pense qu'on doit faire doucement. Quand je te parle, Eka, quand je te donne conseil, il faut m'écouter. Écoute-moi, écoute mes conseils. Ce n'est pas tout là on répond. On a un objectif à temps aujourd'hui. Je parle. Souvent même tu ne me réponds pas. C'est comme si ce n'est pas l'homme qui a parlé. Souvent aussi, si tu es content, tu me réponds. C'est quel enfant ça là? Un enfant même qui n'écoute même pas sa maman. Hein? Moi, ma camarade, si ma camarade a été impolie envers toi, si ma camarade t'a insulté, il faut me dire, moi je viens faire palabre. Toi tu sors, tu viens répondre. Eka, je ne t'ai pas appris ça d'elle. Je ne t'ai pas appris ça d'elle, Eka. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir, je suis en direct. Allô? Oui, je suis en direct. Ok. Vous voulez me parler? C'est ça? D'accord, quand je finis, je vous appelle à tout à l'heure. D'accord, ok, à tout de suite. Vous comprenez? Et quand je te donne conseil, il faut écouter aussi le conseil de maman coach Bellamy. Il faut écouter. Quand je te dis, il ne faut pas faire pour là, ben, tout le monde, il faut le laisser. Ceux qui te défendent là aussi, là, quand tu regardes, là, tu analyses, tu dis que mais celle-là m'a défendu hier.
Donc, si ce qu'elle a dit là, là, je ne comprends pas, je rentre dans son inbox et puis tu parles avec elle. Eka, moi, je ne t'ai pas donné, je ne t'ai pas éduqué comme ça, de. Je ne t'ai pas éduqué comme ça aussi, de. Je suis en train de faire pour là, ben, tout le monde dans la cour commune, là. Il faut m'aider aussi et puis on va avancer. Parce que dans la cour commune, là, il y a les enfants et puis il y a les mamans. Donc, si une maman te fait quelque chose, là, il faut rentrer pour me dire, maman, voilà cette Francine Ba, là, voilà ce qu'elle m'a fait. Et puis, moi, je vais venir donner conseil à Francine Ba, je vais la faire asseoir par terre. Toi, tu as déjà répondu. Moi-même, on parle, je ne sais pas où je vais commencer. Eka, je te parle une fois, je te parle deux fois. Il faut m'écouter, hein. Ha. Mes amis, c'était mon message aujourd'hui. Voilà, c'est le cri de cœur d'une maman. Parce que quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu que Francine est allée trop fort. Il fallait que je sorte pour lui donner des conseils. Oui, il n'y a pas de trahison chez nous. Il n'y a pas de trahison chez nous. Voilà, c'est pour cela que je suis sortie. Je suis sortie pour donner un peu de conseils à ma fille et même à Francine Ba qui l'a défendue hier. Elle a défendue hier. Aujourd'hui, elle est venue s'asseoir par terre avec son micro orange, blanc, vert pour dénigrer ma fille. Je n'ai pas aimé parce qu'elle allait trop fort. Quand un enfant sort et puis elle te dit quelque chose, toi, il faut modérer. Tu es allé trop loin. C'est pour ça que je suis descendu sur toi pour dire que tu as frappé au niveau. Ce n'est pas bon. Voilà. Nous sommes les mamans de la toile. On doit donner un peu de conseils à nos enfants. Et nous-mêmes, là aussi, là, on doit se donner conseil. Voilà. Ce n'est pas que, et qu'elle est sortie, tu vas sortir, tu vas faire vidéo aussi. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas vraiment aimé. Voilà. Quand tu continues de donner ta poitrine pour une personne, il faut donner ta poitrine jusqu'à ce que tu partes vers la fin pour avoir la victoire. Mais ne donne pas ta poitrine à moitié. Voilà. Désormais, là, quand il y a un problème, rentre dans une bosse de ta fille. Je préfère ça. Comme ça, vous lapidez là-bas avec des cailloux. Mettez des cœurs. Vous partagez ce direct aussi. Vous lapidez là-bas. Vous lapidez avec plein de cailloux là-bas. Vous insultez là-bas. C'est entre toi et ta fille. Nous, on n'a pas vu. Mais quand tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux et puis tu parles comme ça, ça fait mal. Ça fait mal. Tu as touché où on ne devait pas toucher. Donc, franchement, il faut pouvoir mettre de l'eau dans ton vin. Voilà. Parce que tu as parlé trop fort. Tu as parlé trop sévèrement. Ce n'est pas bien, ma chérie. Il faut changer de position. Donc, c'était mon message du soir. Je vous aime et on a très, très bientôt. Partagez ce direct.